Donc c'est qui là? C'était donc Nekriel versus Kenshiro. Je connais pas. Kenshiro non Je plus. connais pas son perso. Ah bah ça va jouer. Un Nekriel sort un Zeku, Oula. ce qui est étonnant, parce que c'est Ouais. plus ou moins son deuxième perso, mais qu'il a abandonné. Mais on a fait une La petite base, il partie joue Ken. et il disait je le débute, mais non, il ne le débutait pas. Il m'a fait Il joue chier Ken totalement, quoi. normalement et Kage. Voilà. Et donc ça sera contre une Ibuki. Voyons voir. Donc déjà, ça commence propre. Ah, Ibuki, Oui, ça va. je suis moins à l'aise. Elle va tellement vite quand c'est très bien Bah, géré. ouais, elle a beaucoup de phases. Faut connaître. Bah, faut connaître, quoi. Mais franchement, c'est presque étonnant. Ça joue assez propre. Je trouve pas que ça saute beaucoup, surtout de la part de Kenshiro, Ah. qui est plutôt débutant. C'est Enfin, un je crois personnage qui est assez débutant. technique, ouais. Même moi, il y a des combos que j'arrive pas du tout à faire. Ouais, Mais ça c'est clair, certain. Là, je dirais pourtant, ça joue les bases. Hein. C'est plutôt balayette, petit pressing à droite à gauche. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça a pas sauté. Donc, premier round pour Nekriel, ça a pas sauté tant que ça en fait. Ouais. Bah, tu vois, Ah bah. ils t'ont écouté, ils ont voulu te mettre une grosse contradiction dans la gueule, et bam! Ouais. Donc, il y a eu un petit pif de Nekriel. Voilà, rien de bien méchant. C'est ce qui est passé. Je crois qu'il a droppé son combo. Je suis pas sûr. Voilà, ça essaye peut-être de zoner de la part de Kenshiro. C'est propre, hein. Ah ouais. C'est propre. Non, non, bah donc premier match pour Nekriel et surtout, bah en fait, il a encore les réflexes quand même. Alors peut-être qu'il a rebossé son Zeku récemment, je sais pas du tout, mais je Sais pas suis un du peu tout. étonné. J'ai Paria qui demande 7. On a un C'est un 7 bon dans perso, hein, c'est. on a un 7 dans le roster. Mais je vais peut-être le commencer 7 aussi en plus. Là je vais C'est, il est pas. intéressant. Ah ouais, très très. Je sais pas si Il est intéressant. il y a eu une bonne présentation sur Meurs pas sans ton pif par Oui, le je l'ai vu Toups. Oh aussi. putain, c'était énorme quoi. Enfin, j'étais à la fois autant éclaté par hypé par le perso que complètement les yeux écarquillés par la tête du Toups qui s'est rasée partout et qui avait pas son bonnet. Et là franchement, j'ai eu un gros moment d'émotion quoi. Je me suis dit, tiens, c'est une émission culturelle à 3h du mat sur France 3, mais non non, c'est Meurs pas sans ton pif et il y avait pas de souci, j'étais là. Néanmoins, Ouais, bah c'est un personnage intéressant, mais moi j'ai un peu de mal à, quand je l'ai essayé à ouvrir la garde avec, parce que c'est tout bête, mais son medium punch, il est à moins 2. C'est le seul medium punch du jeu qui est négatif. ouais. Et Ouais, du mais coup, c'est un peu il a tellement de particulier. choses. Il a tellement de choses. Ah oui, il a plein de trucs, ça c'est évident. Hein. C'est juste moi qui ai des réflexes jouant Sagat et qui a l'habitude de bourrer medium punch, c'est pas évident quoi. C'est ça. Bah, faut, en même temps, c'est ça, hein, le principe. C'est ça qui est bien dans les jeux de combat. Selon ce que tu prends, c'est chaque perso a son style. Quand tu les essaies et tout, tu fais tes défis, bah tu vois avec lequel tu vas être le plus à l'aise. Et ça vient naturellement, en fait. Exactement. Exactement. Alors, j'ai envie de dire que pour l'instant, ça chope pas beaucoup quand même. Non. Bah, Voilà. bon, je dis ça. Eh mais ils ont vraiment envie de te faire chier, hein. Ils entendent le stream, ils ont laissé le stream à côté ou quoi là? Je sais pas. Là, tu balances pas, ils sautent pas. Tac, ils sautent dès le début. Après, c'est. Ouais, je commence à me poser des questions, moi. Ouais, c'est Je commence ça. à me poser. Ouh, alors le petit anti-air, petit point, je trouve que ça fait toujours plaisir quand même. C'est Faut ça. quand même le sortir le truc. Oh, c'est Ah, loupé. dommage. Ouais. Alors que va-t-il se passer? J'ai pas. Ah Oh, si, joli. j'allais dire. Ouais, joli, j'allais dire, j'ai pas compris en fait l'activation VT. En fait, c'est peut-être plutôt intelligent. Ah, j'ai cru que ça allait punir. Ah. Oh, joli! Allez. Oh, Ah ça non, finit non, non, pas, ça non. finit Attention, pas! attention. Oh là Eh là bien, là bien, là! bien. Donc, rune pour Kenshiro. J'adore ce pseudo. Enfin, Kinshiro plutôt d'ailleurs. On devrait dire. Un grab et une boule et hop! Ouais, c'est ça. Ah, donc là, cette balayette était clairement négative. Hein. Il aurait pu punir. Mais après, faut savoir. Quand on débute sur le jeu, au début, c'est pas évident Non, non, à non. retenir. Et là, je pense Bon. qu'on assiste à une fin de match. Ouais, je pense aussi. Attends. Ah Oh, bah, c'est quoi? vicieux. C'est C'est vicieux, tellement ça. dégueulasse. C'est Mais tellement dégueu. surtout qu'il avait la super, quoi. Je veux dire, il faisait deux coups, confirme super, c'était bon, quoi. Mais totalement. Donc là, ouais. On sent les joueurs de Ken. Hein. Tu sais. On va le laisser tranquille avec Ken, au moins pour 10 minutes. Ouais, complètement. Du coup, 2-0 pour Nekriel, voilà, bien joué aux deux. Hein. 2-0, ouais.